Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter trois abris de chez Corum. Le Pentalight, le Daylight et le tout nouveau bébé, le Recoil. Ça risque de prendre un petit peu de temps pour les monter sur vidéo. Donc, on va profiter de la magie du montage. Et les voilà, ils sont montés. On commence par le Pentalight, le plus léger de la gamme. Fourni avec deux mâts tempête. Une barre de tension du toit pour éviter que l'eau pénètre à l'intérieur du bougie. Niveau système, c'est un système de parapluie intégré à la toile. On voit, parfait pour le pêcheur itinérant, de quoi mettre une chaise, de pouvoir se mettre vraiment sur les côtés. Au niveau visibilité, c'est parfait. Le Daylight, un grand classique avec les mâts déjà intégrés dans la toile. Une barre de tension, une deuxième barre de tension derrière, un grand classique qu'on voit dans beaucoup d'autres marques. Toujours le classique support de canne, la tension strap, et on voit celui-ci est un petit peu plus profond, un peu moins haut, mais il n'est pas réglable en hauteur. Donc on voit un petit peu au niveau de la place que c'est spacieux. Et ça reste rigide. Nous avons le nouveau bébé, le Recoil, avec un système un petit peu identique à celui-là, mais mis au goût du jour. Toutes les barres sont incluses dans la toile. Et ne vous fiez pas à la finesse, parce que franchement, niveau rigidité, ça bouge pas quand c'est bien monté. Je peux vous garantir. Donc, même chose, deux mâts tempête, pas de tapis de sol, une barre, une tension strap, un petit rebord, toujours les supports des cannes. Donc, à vous de faire le choix en fonction de votre budget et de votre type de pêche. Je vous ferai un rapport détaillé de chacun d'entre eux. Sans rabâche, restez connectés.